Coucou mes petites licornes, j'espère que vous allez bien, c'est Unicornis et aujourd'hui on se retrouve sur Star Stable Online pour profiter du festival équestre. Bon ok c'est totalement grillé que je suis juste là mais joyeux 1er avril à vous! Bon attendez, permettez-moi de reprendre ma place parce que c'est vraiment pas pratique de commencer la vidéo comme ça. Hop! Je reprends ma place. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Désolée pour le petit retard. Mon Dieu, j'ai eu trop peur. Comment ça, t'as eu peur d'une licorne? Par contre, attendez, je me rends compte. Parce que je devais être en live sur TikTok aussi, mais je vois que le truc, il s'est pas lancé. Genre, j'ai fait une super intro et tout, et les gens sur TikTok, ils en ont pas profité. Attendez. Ah oui, j'ai oublié de lancer le truc. Par contre, je suis essoufflée. Genre, ça m'a demandé un effort de descendre dans ma chaise de bureau et de remonter dessus. Bon, attendez, on va démarrer le live sur TikTok aussi. Hello TikTok, je suis en live avec vous aussi. J'en profite aussi pour faire les réglages. Comme ça, vous avez la petite musique lo-fi, parce que tout à l'heure, vous l'aviez pas. Voilà. Normalement, le son de la musique, le son de ma voix, ça devrait le faire. Quoique la musique est peut-être un peu forte. On t'entend en écho, c'est horrible. Ouh là, qu'est-ce que j'ai fait? Coucou, je suis sur le compte de mon père, tu es mes deux postes préférés. Et Amcha aussi. Oh, c'est trop mignon, coucou Lynn. Alors attendez, j'essaie juste de comprendre pourquoi vous m'entendez en écho. 1, 2, 1, 2, bah non, ça c'est le micro. Et il y a la musique, normalement il n'y a pas d'autre piste, je crois pas. Non, le son est normal, j'entends pas d'écho. Ah, c'est peut-être que du coup Lucie elle a lancé le live en deux fois. Ou alors c'était son poisson d'avril. C'est peut-être ça du coup. Du coup, on va quand même lancer le jeu. Je vais venir vous rejoindre à Fort Pinta puisque comme d'hab, on commence le live là-bas. Et après, on va aller au festival équestre pour profiter des festivités. Et peut-être qu'en cours de route, je changerai de cheval. Parce que l'entraînement des chevaux, ça va super vite avec le festival équestre. Bon par contre, au niveau des jetons, j'ai pas beaucoup avancé parce que ça fait genre depuis mercredi, je l'ai fait qu'une seule fois. J'ai raté 3 jours parce que en ce moment je suis pas mal aux écuries. Ceux qui me suivent sur Insta savent pourquoi je passe pas mal de temps aux écuries. Ok, les soins c'est déjà fait. Du coup, je vais vous rejoindre à Fort Pinta. Coucou Zenzen, t'es serveur combien? Je suis serveur Diamond Island, mais du coup normalement sur TikTok vous le voyez aussi. À moins que j'ai mis la grosse barre dessus. Attendez. Attendez, les problèmes techniques, toujours et encore. Non, il n'y a pas la barre dessus. Normalement, sur TikTok, vous le voyez aussi. Faites un effort, du coup. Tu as déjà fait une blague à quelqu'un? Bah, aujourd'hui, du coup, je vous ai fait une blague en lançant le live. Sinon, aussi, n'hésitez pas à jeter un œil à notre serveur Discord, là, qui se transforme entièrement sur Minecraft. Je n'ai pas Insta ou TikTok, pourquoi tu passes autant de temps aux écuries? En gros, là, pour le week-end, il y a quelqu'un qui m'a demandé de m'occuper de son cheval. Voilà. Et du coup, bah, je passe le week-end aux écuries pour m'occuper d'un cheval. Je repasse plus tard si jamais il y a quelque chose, vous pinguez sur Discord. Ça marche, Nina! Coucou, comment vas-tu? Coucou, Delphi Canard, ça va super et toi? Moi du coup, j'arrive, hein, je m'économise le van, je me dis de toute façon je suis déjà à la bourre, donc j'arrive à poney, ça me fera 25 shillings d'économiser. Tu aimerais avoir ton cheval? Un jour oui, mais dans l'immédiat je suis loin d'en avoir les moyens, donc je me contente d'être cavalière de club. Coucou Magic Horse, ça va super et toi? C'est bon, j'ai trouvé le problème, je t'entends normal. Je pense que t'avais lancé le live deux fois ou sur deux appareils en même temps. J'aurais voulu jouer avec toi en live, mais je peux pas là. Si tu veux, je suis en direct jusqu'à 16h. C'est bien l'écologie, c'est ça. Je ne pollue pas plus Jorvik que nécessaire. Je vous rejoins, bougez pas. Bah, pour l'instant, de toute façon, on va rester un petit moment à Fort Pinta pour les courses. Oh là là, quelle belle ligne! Oh, merci beaucoup pour votre accueil. Oh, c'est beau. Attendez, je prends une photo parce que oh, c'est rare que vous êtes aussi bien rangé. Non, c'était moi que je voulais cacher, pas vous.
Oh là là, quelle belle ligne! On va mettre un peu moins de flou dans le fond. Hop là! Si ça, c'est pas beau, si ça, c'est pas une belle ligne. Bon, on va commencer direct par les courses avec Rick. Cette fois-ci, on essaiera de pas oublier la course de la plage. Oh, il y a Luna qui est assise là. D'ailleurs, Luna, je sais pas si tu regardes le live, mais je t'avais vu en live sur TikTok ce matin. C'est déjà bien d'être cavalière de club. Bah ouais, ça coûte déjà assez cher comme ça, donc je m'en contente pour l'instant. Et de toute façon, même si j'avais un cheval, en vrai, je prendrais quand même des cours parce que j'ai que mon galop 5. Et je trouve que je manque encore un petit peu de savoir-faire pour travailler les chevaux correctement. Donc c'est pas plus mal que je continue à monter en club pour encore gagner en expérience. Coucou Luna! Il est quelle heure chez vous pour potentiellement jouer avec toi? Alors chez moi actuellement il est 14h. Enfin 14h14 du coup vu que j'ai un petit peu commencé en retard. Mais ça va aller jusqu'à 16h parce qu'après il faut que je file aux écuries. Coucou Amélia, oui je suis sur ton serveur. Il te manque Pharaon? Ouais. Franchement il me manque. D'ailleurs, t'as de ses nouvelles, Raph? Je sais pas s'il est toujours aux écuries. J'avais demandé vite fait à Laurie l'autre fois s'il allait bien. Elle a dit que oui. Après, j'ai demandé plus de nouvelles. Elle n'a pas répondu parce que elle est un peu comme moi sur les messages. Elle oublie tout le temps de répondre. Et du coup, j'ai pas relancé. Mais ouais, il me manque. Mais il est un peu loin, quoi. Du coup, je suis toujours pas retournée le voir parce que bah, y a de la route à faire. Hello, comment tu vas, Laura? Coucou, Aria. Ça va super et toi? Ah, il est toujours aux écuries. En vrai, il faudrait vraiment que je me motive là avec le retour des beaux jours à venir un week-end aux écuries en vélo. Parce qu'en plus, en vélo, ça me fait une bonne sortie pour la journée. Faudrait que je voie. J'essaierai peut-être de venir au printemps. Mais il fait pas grand-chose. Bah oui, du coup, vu que Laurie, elle a pas non plus énormément de temps, vu qu'elle bosse. C'était pour ça justement qu'elle avait cherché une demi-pension à l'époque. Parce que avec son travail et sa vie, etc., elle n'avait plus autant de temps à lui consacrer et c'était pour ça que je m'en occupais. Mais c'est vrai que là, du coup, avec. Bah, je sais pas s'il trébuche encore autant, mais oui, du coup, il fait plus grand-chose, quoi. Il est en pré-retraite. Coucou, tu as profité de Starcoin doublé. Non, pas cette fois-ci. J'allais tourner comme si j'allais faire la course de la plage. En vrai, j'ai encore assez de Starcoin pour acheter les trois chevaux que je veux la semaine prochaine. Puis même acheter la race qui sortirait probablement au mois de mai. Donc je suis encore large. Je préfère économiser un petit peu parce qu'en gros, ça va être à nouveau les vacances scolaires dans 2 semaines. Zone B, RPZ. Et très probablement, j'aurai toujours pas trouvé de travail d'ici là. Donc je serai dispo et j'aimerais bien faire des stages au poney. Et ça coûte cher les stages. J'ai trouvé un âne perdu près de la ferme des Golchepour, je sais pas où le ramener. Alors les ânes, il faut les ramener au niveau de l'écurie Jorvik, au niveau de la dame qui t'a donné la quête. Attendez, je coupe les notifs, comme ça pollue pas l'écran. Tu as commencé à quel âge l'équitation? J'ai commencé quand j'avais 9 ans, en 2008. Ça remonte déjà. Tu peux venir à l'arène de Morland, s'il te plaît, on peut modifier les sauts. On y viendra, on y viendra. En gros, là, on fait Fort Pinta, après on fait le festival à Morland, on fait Morland, puis on ira à l'écurie Jorvik. Je suis fatiguée, j'ai pas dormi depuis 72 heures. Mais pourquoi tu t'infliges ça, Zenzen? Salut tout le monde, comment ça va? Coucou Marion, ça va super et toi? Coucou Emmanuel. Nina, c'est serveur Diamond Island. C'est marqué à côté de ma tête, c'est marqué dans le titre. Dans le jeu, il est 13h17. Ouais, c'est possible, avec le décalage horaire, il n'est pas forcément implémenté en jeu. J'arrive juste pas à dormir. Ah! T'as essayé la camomille? Ouais, vraiment l'astuce pourrie. Je vais faire comme Kevin, je vais te demander est-ce que t'as fait un bain des pieds. Mais 72 heures sans dormir alors que t'arrives pas à dormir, mais qu'est-ce que t'as pris pour te retrouver dans cet état? Coucou Capu! Coucou Milatores! Oui, il est payant le jeu, il coûte. Si tu l'achètes en achat unique, il coûte 72 euros. Sinon, tu peux prendre un abonnement trimestriel ou mensuel. Après, des fois, il y a aussi des codes qui te permettent d'avoir un abonnement gratuitement pendant quelques jours. Et d'ailleurs, si jamais vous passez par le lien d'affiliation qui est dans ma bio, vous avez 3 jours d'abonnement offerts pour tester si le jeu il vous plaît ou pas.
Coucou, c'est quand que tu refais du Equestria? Coucou, une meuf cavalière. Alors, ça risque pas d'arriver puisque Equestria n'existe malheureusement plus. Coucou, aucun rapport avec le festival, mais sur Tales of Rain Ravine, on ne peut prendre qu'un abo mensuel. Oui, en fait, c'est le fonctionnement de Patreon, c'est mensuel. Tu payes tous les mois le créateur. Après, en ce moment, il n'y a pas de nouveau build qui sort de Tales of Rain Ravine, donc en vrai, vous prenez l'abonnement un mois, vous récupérez le fichier du jeu et vous le gardez même si vous n'avez plus l'abonnement. Attendez, il faut qu'on descende faire la course de la plage. Coucou, tu sais, il faut combien de réputation avec la GED pour débloquer Epona? Je sais pas du tout, je crois que j'avais fait les quêtes bleues 3 jours d'affilée et ça avait suffi. Ça va tellement vite maintenant. Genre j'ai commencé une nouvelle partie sur les serveurs belges pour voir jusqu'à où est-ce que je pourrais aller sans jamais payer sur le jeu, juste avec les codes que donne le jeu gratuitement. Et en moins de 8 jours, j'avais accès à Epona. Genre ça va super vite maintenant. Quelqu'un peut me donner un conseil? Ma coach veut que je fasse un CSO avec une jument de 2 ans, je ne sais pas comment lui dire que je ne veux pas. Alors, meilleur conseil que je puisse te donner, c'est change de centre équestre. Ce n'est pas normal de monter un cheval de 2 ans et encore moins de faire des concours avec. Coucou, quels sont les prochains chevaux à sortir? Je crois que la prochaine race qui va arriver, ça va être le Tennessee Walker. Tu fais de l'équitation dans la vraie, oui. Oui, 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 je monte à cheval. Est-ce que tu sais comment avoir Silverglade sans être Star Rider? On peut pas, ça fait partie des zones qui sont bloquées par l'abonnement. Je me remets au championnat avec le festival, au moins ça me fera des shillings et des jetons. Très bonne idée ça. D'ailleurs, le prochain championnat, je crois que c'est celui de Silverglade, mais on va pas le faire parce que ça voudrait dire qu'il faut qu'on se dépêche. Quoique, attendez, je regarde vite fait dans les notifs. Championnat de Silverglade en 10 minutes. En vrai, si, ça va, c'est négociable. On va aller au site du festival. On va faire 2-3 activités sur le site du festival. Puis on va aller à Silverglade. Comme ça, ça fait le championnat de déjà fait. Mais le Tennessee Walker est déjà sorti, non? Bah du coup, non, je me suis plantée. C'est pas le Tennessee Walker, c'est un autre truc qui fait des animations un peu bizarres. Je sais pas comment ça s'appelle. J'ai oublié le nom de la race. Elle s'appelle comment ton écurie déjà? Je sais pas si j'ai envie de le dire. Bah, en vrai, si, c'est pas un scoop que je monte à l'écurie Siové Lubo. Voilà. En vrai, je suis un peu réticente sur le fait de dire où c'est parce que j'ai pas envie que des gens débarquent à l'écurie, genre pour me voir et tout, parce que ce serait archi cringe. Et je risquerais d'avoir des ennuis avec la gérante qui serait peut-être pas d'accord qu'il y a des gens inconnus qui viennent pour me voir, mais d'un autre côté, enfin, je poste du contenu et il y a plein de filles aussi du club qui postent du contenu. À chaque fois, il y a des gens qui sont en mode oh mon dieu, tu montes un club de Unicornis! Et du coup, bah finalement, si tu fais 2-3 recherches, on sait où je monte. C'est gratuit ou pas le jeu? Non, et il coûte un abonnement. Après, il y a un abonnement à vie. Et si tu passes par le lien d'affiliation dans ma description, t'as 3 jours d'abonnement offert pour tester si ça te plaît. Du coup, tu viens quand à l'arène de saut? Bah du coup, après le championnat. On va faire la course en solo déjà. J'aurai même le temps peut-être de faire la course groupée. Mais oui, du coup, je sais pas c'est quoi la race qui doit sortir, mais c'est aussi un cheval américain avec des allures. C'est peut-être le American Saddlebred du coup. Ou je sais plus. Je sais plus, mais c'est une race américaine. Si, il est gratuit, mais sans abonnement, c'est nul. Bah oui, du coup, c'est pas gratuit. En gros, il faut un abonnement pour profiter de l'entièreté de l'expérience du jeu. Si t'as pas d'abonnement, t'as accès à la démo du jeu pour voir si ça te plaît ou pas. Ah, c'est ça, c'est l'American Saddlebred. Du coup, j'ai confondu les deux, désolé. Désolé pour la confusion. Tu joues depuis combien de temps? Depuis 2016. Il n'y a pas de code Starcoin valable en ce moment. Je sais pas, mais je crois que mercredi, il y a des robes. Ouais, il y aura une robe pour le Lipizan et 2 robes pour le KWPN. C'est quoi ta race préférée sur SSO?
J'aime beaucoup les Pur Sang Arabe, les Mustang, les KWPN, le belge aussi que je trouve pas mal. Ouais, bah c'est à peu près tout. Bah attendez, moi j'ai désactivé les demandes de groupe. bah quelqu'un pour groupe, vas-y Victoire, invité dans un groupe. Je clique sur invité dans un groupe de manière aléatoire pour ceux qui voudraient. Et comme ça, on peut lancer la course groupée avant le championnat. Allez, c'est parti. Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé tes vidéos MDR, mais... Bah, re-bienvenue à toi. Oui, c'est sûr que je ne peux pas changer. En plus, je fais les championnats de France et ça fait 2 mois que je n'ai pas monté le cheval. Mais, enfin, c'est pas normal de monter un cheval de 2 ans. Genre, tu peux pas signaler cette écurie au niveau de la SPA ou quelque chose comme ça? Le petit cappuccino devant ton live, il fait du bien, un peu de repos après un gros live bien chargé. C'est ça, tu te reposes après le tien, en regardant un autre. D'ailleurs, je me suis pas fait de café aujourd'hui. C'est peut-être pour ça que je suis un peu fatiguée. Tu fais des roleplays. J'en ai fait une fois, mais depuis, j'ai pas réitéré l'expérience. Coucou, com! Coucou, pour mettre Reshade, il faut des fichiers SSO comme SSO client, mais moi j'en ai pas. Tu les as forcément. Si le jeu est installé sur ton PC, tu as forcément ces fichiers. Après, c'est peut-être que juste tu sais pas où les trouver. J'ai vu que tu étais sur mon serveur, du coup je suis là. Donc si tu vois un Pedro moustachu sur un Mustang à Spirit qui erre, c'est normal. Ok, je me poserai pas de questions du coup. Je vais quitter le groupe du coup, je vais valider la quête et on va filer au championnat de Silverglade pour s'inscrire avant qu'il ne soit trop tard. Je suis en train de vous abandonner du coup sur le site du festival. Mon rêve c'est d'être Star Rider, mes parents veulent pas, j'ai 5 chevaux. T'as réussi à avoir 5 chevaux sur le jeu sans être Star Rider? GG. Tu m'as jamais débloqué. Oh, attends, faut que je vois. Pardon. Ouais, c'est possible que des fois je zappe de débloquer les gens que je bloque pour les photos. Désolée, Lise, attends. Je vais au truc du championnat, je m'inscris et je regarde ma liste bloquée et je débloque les gens qui sont bloqués pour rien. Je joue encore à Horse Riding Tales, j'aime vraiment ce jeu. Bah, si tu passes du bon moment dessus, fais ce qui te fait plaisir. Après, je te déconseille quand même de dépenser de l'argent là-dessus, parce que c'est tellement mal sécurisé que tu risques de tout perdre du jour au lendemain. Du coup, ah oui, ah oui. Pardon tous les gens qui sont bloqués sans aucune raison. Ça faisait, je pense, un moment que j'avais sans faire exprès bloqué des gens que j'avais oublié. Désolée. Du coup, attendez, je voulais juste mettre mon tel à charger parce que du coup, je vais aux écuries après, je vais essayer de tourner un vlog. Et du coup, j'ai besoin de batterie. J'ai même chargé ma batterie externe, mais du coup, ce serait bien si le téléphone de base il est chargé aussi. Hop. Par contre, je sais pas si vous entendez, mais j'ai un petit peu la voix cassée parce qu'on a fait un karaoké hier avec des amis et j'ai bien chanté. Tu sais comment on peut gagner beaucoup de pièces rapidement, s'il te plaît? Alors, c'est quel type de pièces que t'as besoin? Les starcoins ou les shillings? Coucou Dina! Ça me saoule, je te vois pas, je suis pas Star Rider, du coup je peux pas venir, il y a trop de monde sur le serveur. Bah, normalement le serveur il est accessible. Après, oui, c'est pas dit qu'on se voit parce que le problème c'est que Star Stable affiche maximum 50 joueurs à la fois, malheureusement. Et ouais, et du coup je suis pas forcément dans les 50 joueurs que ça t'affiche. Coucou Biaterian. Tu pourras m'ajouter un ami s'il te plaît. Je suis désolée Star Stable meilleur jeu, j'accepte pas du tout les demandes d'amis sur le jeu. Tu pourras refaire des vidéos Wellers Island. Pourquoi pas un jour, l'éventualité existe. Après je vous avoue que là dans l'immédiat, j'aimerais surtout tester Horse Life sur Roblox, ça a l'air pas mal. Dès qu'il y a trop de monde en jeu, mon interface est en PLS. Ah bah oui, en plus avec les bugs de mercredi, ça doit pas arranger.
Pour farmer les shillings en masse, il faut farmer les lucioles. 10 000 lucioles, ça fait 10 000 shillings. C'est ça, les lucioles, ça se farme super facilement en plus. On ira peut-être en farmer un peu une fois qu'on aura fait les activités du festival. Val, pardon. J'ai mangé juste avant le live. D'ailleurs, je me suis dépêchée pour essayer de pas être trop en retard, mais c'est pour ça que je risque de faire des petits rototos. Mais oui, du coup, on ira peut-être farmer de la lumière une fois qu'on aura fait les jetons. Parce que bah, pour acheter toutes les belles tenues du festival, il faut du pognon. Celle où on peut acheter des vêtements, j'ai commencé il y a pas longtemps, je n'ai pas beaucoup. Alors du coup, c'est les pièces jaunes qu'il te faut. Du coup, ouais, les shillings, bah, faire les quêtes quotidiennes, faire les soins des écuries, et après faire les lucioles. Je les farme actuellement vu que tous mes chevaux sont entraînés. Et en vrai, même si t'as des chevaux à entraîner, ça vaut le coup vu que ça rapporte aussi de l'expérience cheval. Il reste combien de temps avant le championnat? 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21 secondes. Coucou Jean Pastec! Je vais quitter le live pour aller m'occuper de ma jument. Bonne journée. Bonne journée Lionel! C'est pas grave, c'est naturel, les héros, ouh. Pardon, je suis désolée, mais le ouh. La petite voix dans ma tête n'arrive pas à le lire de manière sérieuse. Après, oui, c'est naturel d'avoir des gaz, mais bon, c'est pas très agréable non plus de se faire rôter dans les oreilles. Oh, elle a le même cheval que moi. Par contre, je sais pas pourquoi à chaque fois ça croit que je quitte la zone du championnat alors que pas du tout. Oh, je suis dans le même groupe que Luna. Faut vraiment quand je m'achète la tenue parce que je la trouve banger, ça va trop bien sur plein de chevaux. J'aime trop. Pourquoi les mises à jour sont si longues? Ça dépend de ta connexion internet, si elle est rapide ou pas, et ça dépend aussi de si t'as un SSD ou un HDD, donc la vitesse en écriture sur le disque dur pour l'installation. Le jeu peut se jouer sur téléphone. Ouais, Elise, il est dispo sur téléphone aussi. Il est sorti quand ce jeu? En 2012. J'ai l'impression que depuis la mise à jour, le jeu bug beaucoup plus. Ouais, bah en fait, le crabe, il a vraiment tout cassé et du coup, ils ont réparé le plus rapidement qu'ils pouvaient. Mais il faut pas non plus oublier que je crois qu'en Suède, c'est le week-end de Pâques aussi et du coup, bah... Les gens, ils sont pas là, quoi. Tu as un club ou pas? Ouais, j'ai un club sur Star Stable Online, mais ils recrutent pas. La mise à jour du festival équestre par quand? Ça va rester là pendant 4 semaines, du coup encore 3 semaines à partir de mercredi. Et en vrai, je trouve que je fais pas un tracé trop dégueu. Bon, par contre, je vais pas classer pour sûr, parce que très honnêtement, mon cheval, il tire la tronche. Mais juste faire un beau tracé, en vrai, ce serait pas de refus. Ok, mon cheval il tourne comme un paquebot, donc c'est foutu pour le beau tracé aussi. Tu sais comment mettre des cavalettiers en carrière? Oui, c'est avec le panneau propriété de paddock qu'on met les différents obstacles dans la carrière. Ok, j'ai sauté beaucoup trop tôt. Salut, je viens d'arriver, j'ai raté quoi? Coucou Eiko! Bah t'as juste raté mon poisson d'avril, mais sinon rien d'inhabituel. Oui, mais ceux dans Jorvik, genre pour l'animation du sel français. Ah, ça je sais pas. Les propriétés de paddock, elles sont censées rester là. Mais je sais pas s'ils ont pas désactivé pendant la durée du festival. On va essayer de pas se prendre de vache. Oh la vache. C'était quoi ton poisson d'avril? C'est que c'est ma licorne derrière qui a fait l'intro de la vidéo. Hop! Ah bah décidément, j'ai sauté cet obstacle à l'aide de mes connaissances. Il y a des différentes races de cheval, comme des purs sang arabes. Ouais, il y a plein de races différentes. Bah genre Luna et moi là, on est en train de monter deux races différentes. Elle c'est un sel français, moi c'est un KWPN. Là il y a un belge. Il y a un Pintabian là-bas. Je crois que c'est un Pintabian de génération 2 même.
Non, quoique. Non, c'est génération 3, je sais plus. Si, non, c'est génération 3, ça. Je sais pas. J'ai du mal à différencier génération 2 et génération 3, mais si, ça, c'est génération. Ah, je sais pas. Non, c'est génération 2, ça, c'est encore un peu cubique. Je crois que c'est la gène 2. Confondre génération 1 et génération. Non, génération 2 et génération 3. Pas terrible. Comment elle va, la petite Kira? Ah, elle va très bien, elle fait plein de bêtises. Je te trouve très belle, Laura. Oh, c'est adorable, Aiko. J'ai le gène 3, c'est pas du tout le même. Ouais, c'est ce que je me dis aussi, le 3, le génération 3, il est encore plus banger. Mais déjà en génération 2, je le trouvais vraiment beau, le Pintabian. Parce que c'était le dernier cheval de génération 2 qui est sorti. Donc il est vraiment propre. Les Mustangs sont de très beaux chevaux aussi. Ouais, il y en a un là justement. Max, elle monte un Mustang. Mais ouais, du coup, on revient sur le site du festival parce que j'ai encore une activité à faire. La garde-robe avec Loretta et sa pote. Je sais plus comment elle s'appelle. J'ai pas très bien compris ce qui s'est passé avec le crabe sur le jeu. Tu peux expliquer rapidement, s'il te plaît. Oui, en gros, ils ont ajouté un compagnon en jeu qui devait pas arriver tout de suite. Et c'est un compagnon crabe. Et en fait, toute personne qui ont cliqué dessus, ça a totalement fait planter leur compte. Du coup, ces personnes-là pouvaient plus du tout accéder au jeu et ça crée d'autres bugs aussi. Attendez, j'ai pas lu c'était quoi la consigne. Une tenue dans le style de Sabine. Ah, mais j'ai des trucs de Sabine qui m'ont été donnés par la quête de Sabine. Je vais mettre ça. Ils vont être d'accord avec ça. Du coup, je leur montre, je suis prête. J'aime pas du tout. Au moins, sa tenue respecte la consigne. Ah, bah super. Bon, au moins, ça c'est validé. Donc, je vais remettre ma tenue quand même. Et bah du coup, je vais juste valider la quête du championnat. Ça va me donner plein d'XP et surtout plein de jetons. Et on va partir à l'écurie Jorvik. Juste question, même si on entraîne notre poulain niveau 15 sur SSO Horse et qu'on l'achète, on va l'avoir niveau 15 ou niveau 10. Il arrivera forcément niveau 10 en jeu. Mais je crois que c'est expliqué dans l'application en plus. Ouah, mon inventaire qui bug. Allons-y à l'écurie Jorvik. C'est dommage que Star Stable ne fasse plus de poissons d'avril. Après, je les comprends, Akemi, parce que ça prend quand même beaucoup de temps pour développer, trouver l'idée, l'implémenter en jeu. Et tout ça pour une journée. Vaut mieux qu'il concentre ses efforts dans du contenu qui dure un peu plus longtemps. Je suis super contente, hier j'ai monté un trotteur, celui sur la photo de profil, je suis la première à l'avoir fait galoper. Oh, c'est chouette ça, Lily! Coucou Camille! Le crabe maudit, c'est leur poisson d'avril. C'est plutôt le crabe qui leur a fait un poisson d'avril. Je vais commencer par les courses solo, après je vais vous prendre en groupe. J'ai 60 jetons, moi je peux pas les utiliser car je suis pas niveau 9. Ah, du coup, on peut pas du tout les utiliser. Faut forcément être niveau 9 pour pouvoir les utiliser. Oh, c'est dommage ça. Il est sur Xbox ou PlayStation le jeu? Non, pas du tout. Il est sur PC et portable. Coucou Dell. Coucou Maeva. Je peux pas te rejoindre car on n'habite pas dans la même région. Ouais, je sais, c'est nul ça, Mistral, qu'on puisse pas changer de région plus facilement sur le jeu. Qui nous ségrègue comme ça. Joyeuse Pâques à toi aussi, petit canard. Coucou, j'adore ton concept, ne change pas. Oh, merci beaucoup. Coucou à toi. Quel cheval de ton écurie sur SSO tu détestes, sauf les chevaux magiques? Je déteste le Curly et le Chicontigue et le Frison de génération 3. Ah, vraiment, c'est... Oh, je peux pas m'y voir cela.
Tu pourras me prendre dans ton groupe, s'il te plaît. Bah, je peux pas promettre d'avance parce que je vais cliquer de manière un peu aléatoire pour le groupe. Est-ce qu'il va y avoir des codes Starcoin pour le festival? Je sais pas du tout. Après, ils nous ont donné beaucoup, beaucoup de Starcoin les 2 derniers mois. Genre, c'est pas mal déjà. Tu me conseilles d'acheter un sel français ou d'attendre de voir comment seront les nouvelles robes? Je te conseille d'attendre de voir comment seront les nouvelles robes, parce qu'en plus, t'as que jusqu'à mercredi pour attendre. Tu pourras toujours prendre ta décision après. Mais le Curly, on dirait trop un nounours. J'adore, sauf son animation au grand galop. Oui, visuellement, il est mignon, mais c'est ses animations, je peux pas. Même problème avec le Chikontig, genre j'ai rien contre lui, mais il est hors de prix par rapport aux animations qui sont le poney, j'ai envie quoi? Qui coûte la moitié du prix. Coucou, je te suis depuis un moment et franchement, j'aime beaucoup ce que tu fais. Merci beaucoup, M. Je suis ravie que mon contenu te plaît. Toi aussi, tu joues à Star Stable, Luna? Coucou, Jess. Comment ça va? Moi, j'aime pas l'animation du pur sang anglais au grand galop. Bah, moi, je l'aimais bien jusqu'à ce qu'ils l'ont cassé. En fait, le problème avec Star Stable, c'est que des fois, t'achètes un cheval, il est génial, et puis un an après, ils ont totalement cassé les animations et il est plus génial. Ça va et toi, Jess? Laura, tu as fait quoi ce matin? J'ai dormi et j'ai mangé. Grosse matinée. Il y aura des codes Star Rider, car oui. On en a eu beaucoup de codes Starcoin. Je sais pas du tout s'ils ont prévu de mettre un code Star Rider non plus. Comment ça, vous voulez me pranker? Qu'est-ce que tu proposes là comme idée, Nina? Par contre, je me fais pranker par la course, genre je vais échouer à cause de ce punaise de buisson. Coucou, Lina! Tu sais que sur Wilders Island, ils ont remis le percheron papillon. Bah ça m'étonne pas qu'ils recyclent les chevaux magiques d'une année à l'autre. Ouais, je me rappelle de toi sur YouTube. À l'ancienne. Si tu me vois, je suis sur un poney Pie Isabelle. Ok, je vais voir si je te trouve. Je t'avoue que là, il y a un attroupement de joueurs. Ça fait un an, je peux plus jouer. Bah, pour quelle raison? Oui, j'ai vu ton message, Nina. Mais en tant que mono, de toute façon, tes messages ils sont en surbrillance par rapport aux autres. Du coup, il y a beaucoup plus de chances que je les vois. Je regarde ton live, je suis dans le train. T'arrives à capter dans le train? À chaque fois, mais sur la ligne, j'ai jamais de réseau. Je ne joue pas avec toi sur Star Stable car ça bug mon jeu et en plus, je préfère discuter avec toi parce que t'es tellement gentil que je préfère. Oh, c'est mignon! Et oui, c'est vrai que quand on fait des lives, à chaque fois, il y a beaucoup de monde et sur les configurations un peu ric-rac, le jeu, il a tendance à tourner pas très bien. Mon ordi est mort en tombant dans les escaliers. Ah, RIP ordinateur. Et tu peux pas jouer sur téléphone? Parce qu'il existe sur téléphone aussi le jeu. J'hésite à me prendre le pur sang arabe du festival en promo, mais je sais pas s'il vaut le coup, j'hésite. En vrai, en promo, il va large le coup. En vrai, même le pur sang anglais en promo, il vaut le coup. C'est juste un peu dommage que le grand galop, il est cassé, mais visuellement, il est magnifique. Tu peux me choisir, vas-y. Je viens de voir ton message, du coup, invité dans un groupe. Et bon, je vais inviter dans un groupe les gens là que je viens de voir. Comme ça, on fait un grand groupe. Je t'adore, je veux te voir en vrai. Alors si jamais tu viens au Salon du Cheval cette année, Salon du Cheval à Paris, je précise, il y aura peut-être moyen de me voir. Je vais essayer d'y aller. Bon, en tout cas, j'ai mis un rappel sur mon téléphone pour acheter des places, parce que je pense que les places, elles vont pas mal être prises d'assaut. Donc je me suis mis un réveil pour être sûre de pouvoir acheter des places dès qu'elles seront mises en vente. Oh. Mais ouais, je joue à Star Stable gratuit. Bah oui, mais du coup, t'es bloqué dans les zones de démo, quoi, Morland, Fort Pinta. Il y a eu quoi pour le poisson d'avril? Rien. Star Stable fait plus de poisson d'avril depuis quelques temps déjà. Oh, il y a Tiff qui est connecté. Allez, c'est parti pour la première course en groupe.
Le salon du cheval de Lille, c'est début ou mi-décembre, première fois qu'ils vont le faire. Je savais pas du tout qu'il y avait un salon du cheval à Lille. Oh, trop bien. Après, si ça tombe le même week-end que celui de Paris, ça va pas être possible. Mais si c'est des week-ends différents, il y a peut-être moyen que je fasse les deux. Ça pourrait être sympa. Après Paris, je vais faire samedi-dimanche parce que j'ai la chance d'avoir quelqu'un sur place qui peut m'héberger. Alors que si je fais celui de Lille, il y a moyen que je fasse qu'une journée du coup. Green Day a eu une refonte depuis 2020. Je crois pas. Je sais pas de quand date la refonte de Greendale, mais non, ça a pas bougé depuis la dernière refonte. Bravo pour les 42K, tu les mérites. Ah, oh, merci beaucoup, c'est adorable. D'ailleurs, cette semaine, ou la semaine dernière, je sais plus, j'ai eu 10 000 abonnés aussi sur Instagram. Et normalement, je suis censée pouvoir créer un canal, mais j'ai pas l'option. Je pige pas comment créer un canal. C'est la semaine suivante à Lille, du 12 au 15 décembre. Ah, il y a peut-être moyen que je le fasse du coup. J'essaierai d'avoir des billets du coup aussi, du moins un billet pour Lille aussi. Parce que c'est vrai que bon, les deux, ils sont à peu près à même distance de chez moi. Tu fais des lives sur le serveur numéro 1 français. Ça m'arrive aussi, mais aujourd'hui on est sur le 2. En fait, je fais toujours 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Je vais peut-être essayer de plus venir sur le 1 et le 2, parce que c'est vrai que c'est quand même là où il y a le plus de monde et ça évite de trop faire bouger les gens. Oh bah Tiff! Je te vois, Tiffany. Mais oui, je bouge tout le temps de serveur. Quand il y aura le prochain cheval magique? Je pense que les prochains magiques, ce sera lors du festival arc-en-ciel. Moi, je ne peux pas te rejoindre car j'habite en Belgique et du coup, je peux pas être sur des serveurs français. Ouais, malheureusement, c'est naze ça. En plus, les Belges vont retrouver du coup sur des serveurs néerlandais. Alors que, bon, 50% de la Belgique, vous parlez français, quoi. Tiff la meilleure. Ouais, franchement, allez vous abonner à Tiffany Sparrow Step. Son contenu, il est incroyable. En plus, elle a un cheval qui est trop mignon. Ça consiste à quoi le salon du cheval? Bah celui de Paris, il y a des concours en même temps qu'on peut voir, il y a des gens qui viennent faire des démonstrations de discipline, présenter des races, il y a aussi pas mal de vendeurs qui vendent bah du coup des affaires d'équitation. Voilà. En vrai de vrai, je pense pas faire des craquages au salon du cheval parce que déjà de une, c'est archi chiant à transporter après dans le train, et de deux, moi j'ai besoin de rien. Après, je dis ça, je suis sûre que je vais quand même partir avec des trucs que j'avais pas du tout besoin, mais. J'étais à côté de toi avec le poney pie, Isabelle, tu m'as pas vue. Oh, désolée, oui, en effet, je t'ai pas vue. J'ai presque la limite de shilling jorvikois, je vais le prendre, l'une des tenues du festival, mais j'hésite entre la tenue cross vert kaki. Et bleu ciel, tu me conseilles laquelle? Personnellement, je préfère la vert kaki, mais bon, c'est une opinion personnelle. Du coup, bah, avec la couleur que tu préfères, quoi. Et l'équipement d'équitation de marque, ça coûte super cher, c'est ça. Je me vois pas revenir du salon du cheval avec un tapis Hermès, parce que juste c'est indécent. 400 euros pour un tapis. Non mais où? Ça va pas la tête. Moi je suis partisane de Décathlon. Après, je vais quand même essayer de m'acheter un beau tapis un jour quand j'aurai un travail. Quand j'aurai un salaire décent, j'ai envie de me faire plaisir et de m'acheter un tapis. Je sais pas si je prendrai un Lemieux ou un Harcourt, mais c'est vrai que c'est des tapis qui sont quand même un peu plus épais que ceux de Décathlon et je me dis, ça peut être sympa. Surtout, ils tiennent mieux la forme, ils se dégarrotent mieux. J'ai enfin reçu mon nouvel ordi. Ah, c'est chouette ça, Juliette. À part avoir des codes Starcoin et payer, on peut pas avoir des Starcoin. Non. Bah du coup, quand t'es Star Rider, forcément t'as des Starcoin en... Juste avec l'abonnement, quoi. Mais pareil, bah faut payer de base l'abonnement. C'est quand le festival arc-en-ciel? Je crois que c'est au mois de juin. Je suis allée au saut Hermès 2024, c'était... Incroyable. Ça fait des années que j'ai pas été voir un concours de cheval.
Je me souviens que quand j'habitais encore à Compiègne, on allait des fois voir les concours justement qui se passaient à Compiègne. Il y a quelques CSI qui sont passés par là. Mais j'ai jamais regardé plus de concours que ça. Après, ça m'intéresse pas spécialement non plus. Allez, on va quitter le groupe, on va passer du coup à la suite des courses. Un petit poney pie. Bah, je sais pas, je vois des chevaux pie, mais je vois pas de poney pie. Bon, on va faire la course de dressage. Let's go! Et je comprends pas. Genre, il y a plein de monde qui me disent waouh, c'est trop dur, j'arrête pas d'avoir des pénalités. Moi, j'y vais au talent et bah, ça fonctionne. Hop, on passe au trot. Tu te plains du tapis Hermès à 400 euros, mais tu n'imagines pas des sacs Hermès où tu dois attendre jusqu'à plusieurs années et plus de 10 000 euros le sac. Non mais, juste, c'est des gens qui vivent pas dans le même monde que moi qui achètent ce genre de choses. Je pense que la clientèle de Hermès, c'est des gens, ils roulent en yacht. Ouais, même pas, ils prennent le yacht juste pour faire du bateau. Non, non, ils roulent avec en ville, tu vois. Après, Hermès, c'est une marque de luxe, pas d'équitation. Oui, de base, c'est du luxe. Mais j'avoue que là, en ce moment, avec les réseaux sociaux, genre, ça devient la mode d'acheter des tapis Hermès ou des affaires Hermès pour le cheval. Et j'ai l'impression que n'importe quel clampin achète ça maintenant pour frimer avec. Mais oui, clairement, ça s'adresse pas du tout à ma classe économique et sociale. Genre déjà, si un jour je m'achète un tapis Harcourt ou Lemieux, c'est que vraiment j'ai voulu me faire plaisir, quoi. Parce que vraiment, je suis grande adepte de Decathlon et de Equitem. C'est des marques qui sont très bien. Mais attendez, non, c'était un doublé ici. Oups! Moi qui frimais en mode, oh là là, j'ai pas du tout de problème avec le parcours. Ok, je me suis un peu perdue. Herm Hesse. Et ouais, c'est la Hesse une fois que t'achètes ce genre de tapis. Ah oui, c'était au pas ici, pardon, j'ai pas regardé. Veste Pénélopé, 145 euros. Et encore, en vrai, ça va. Enfin, ça va, entre guillemets. Je trouve que c'est cher pour ce que c'est, mais après, une veste, ça dépend ce que t'appelles veste. Une veste sans manches ou alors vraiment une veste qui tient chaud parce que un manteau, en vrai, tu payes ça facile 150 euros. Petit tips pour faire des économies, je prends parfois de l'équipement sur Private Sport Shop, vente privée de vieilles collections ou fin de stock. Ah, c'est pas mal ça, les fins de collection. Après, de manière générale, si j'achète un jour un tapis joli, je pense que pareil, je regarderai quand c'est les soldes. Parce que bon, 80 euros un tapis pour qu'il soit plein de poils et de poussière, bon. Champ de Veildale dans 10 minutes. Je sais pas si on le tente ou pas. En vrai, il y a moyen, je pense. Il y a moyen qu'on y soit. Ça vous dit, on se tente le championnat de Veildale? Parce que là, du coup, j'ai fini le dressage, il me reste la course de Sabine. Et en vrai, il y a moyen de se tenter championnat de Veildale. Ça re-ramène des jetons si on relance la quête des jetons ou pas? Ou ça fait juste avancer la barre de la baronne impressionnée? Tu me conseilles d'acheter quelle robe de Mustang? En vrai, je conseillerais l'Isabelle parce que Spirit. Mais sinon, j'aime beaucoup le gris aussi. Ça dépend où tu habites pour le manteau Canada. Oui, mais au Canada, vos manteaux, ils doivent résister à des températures très froides. Donc forcément que c'est des manteaux qui valent plus cher parce qu'ils sont plus épais. Hello, je passe par là juste pour te poser une petite question. J'ai débuté depuis peu sur Star Stable et j'ai un bug avec un PNJ pour passer un certain pont à Morland. Je vais demander. Est-ce que tu m'avais déjà contacté sur Instagram à ce sujet ou est-ce que vous êtes plusieurs à avoir ce bug? Parce que j'ai reçu un message sur Insta avec le même problème. Laura, tu connais le youtubeur Michou? J'en ai déjà entendu parler. Forcément, puisque je ne vis pas dans une caverne. Après, c'est pas du tout le genre de contenu que je regarde, ça m'intéresse pas trop. Je trouve que ça devient de plus en plus comme la télé, les concepts que produisent les gros youtubeurs, et du coup, ça m'intéresse pas des masses. Les chevaux de Veildale, les magiques, on peut les acheter où? Bah, à Veildale.
Une fois que t'as débloqué les différents chemins avec la pierre mère. Aïe. J'ai déjà fini la barre de la progression de la baronne. Ah ouais, t'as été motivée, Léa. Le chant de Veildale, il est ignoble. J'y arrive jamais. Oui, mais c'est pas parce que t'y arrives pas qu'il est ignoble. Ignoble, ça veut dire moche. Juste que tu le trouves difficile. Venez, on va tenter le championnat de Veildale. Coucou, je peux te demander un ami. Coucou Célia, j'accepte pas les demandes d'amis sur le jeu, désolée. Moi, il me reste une course pour la réputation de la baronne. D'ailleurs, elle revient quand la baronne? C'est la semaine prochaine ou c'est la semaine d'après? Waouh, déjà niveau 14. On a bientôt fini l'entraînement de nos canassons. Incroyable. Bon, du coup, testons le championnat de Veildale. Vas-y, j'ai envie de prendre ma revanche. En vrai, encore une fois, je ne pense pas du tout classer parce que mon cheval me boude. Mais ça se tente. En vrai, je serais bien tentée de lui donner des friandises pour lui remonter son humeur. Et là, en Veildale, il est crafté de friandises. Bah, pourquoi j'ai le hoquet? Coucou les aventures de Sarah. T'as rien raté en particulier? Et non, Allison n'en est pas encore passée à Morland. Bon, on va y passer après le championnat de Veildale, du coup. JPP, demain je commence par DS de maths et le cours d'après c'est une interro de musique. Ah ouais, direct mardi matin, pam pam pam. Ah bah je te conseille d'être bien réveillé du coup demain. Comment on fait pour faire un championnat? Bah il faut se rendre dans la zone du championnat à l'heure du championnat pour s'inscrire au championnat et faire le championnat. Friandis sabots, heureux. Vas-y, je vais en faire deux. Comme ça, je pimpe un peu mon cheval avant de commencer. Pimp my horse. Mais du coup, j'ai pas besoin de relancer une quête en particulier pour faire le championnat, si, non? Je sais pas. Bon, allons à la zone du championnat. D'ailleurs, ça me fait penser que... Genre, je suis désolée, ma boîte aux lettres, elle est tout le temps pleine, mais parce qu'elle me sert de stockage pour les récompenses au championnat, parce que j'ai besoin de pognon. Oh mais non, l'inventaire qui est encore buggé. Attendez, je ferme l'inventaire, je réouvre, voilà. Du coup, ou pas. Y a rien qui va. Je vais un peu sortir de la zone avec du monde. Je pense qu'il y a trop de monde dans la zone, c'est pour ça que l'inventaire il bug. Parce que j'aimerais bien quand même, consommable, on va pimper le cheval. Ah mais ça remonte que 1. Je pensais que ça remontait 2. Ah, attendez, il m'en refaut une dernière. Attendez, j'y retourne. Je fais le championnat et je vais aller promener mon petit chien. Petit clin d'œil, j'ai un border. Ah, oh, trop mignon, c'est les meilleurs les borders. Il y aura des codes Starcoin en avril. Je sais pas du tout. Oh, attendez, je fais une dernière friandise. C'est affreux l'interface qui bug. Ouais, franchement, c'est trop chiant. Mais bon. On a eu des bugs beaucoup plus handicapants pour le jeu, donc ça va en vrai. Allez, là mon cheval il est pimpé. Vas-y. Là j'ai pas d'excuse si je foire le championnat. Si j'ai l'excuse que j'ai pas mis les fers qui vont vite. Mais bon, un peu la giga flemme. Mais du coup, si je le refais, je gagne pas plus de jetons. C'est vraiment juste pour la frime là que je le fais. D'ailleurs, j'ai oublié de lancer la quête à Morland, la quête des championnats. C'est pas grave, on va essayer. On va essayer déjà de le finir parce que je l'ai jamais fini en conditions réelles celui-là. Vu que tu es à Veildale, tu fermes les lucioles après ou pas? Je pense que je vais revenir à Morland d'abord, mais après, ouais, on va faire les lucioles. Mais j'aimerais bien finir les courses à Morland. Pardon, j'avais soif. Coucou, ça va? Tu joues à la souris ou avec les touches? Avec les deux, j'utilise la souris pour bouger la caméra parce que c'est pratique. Et j'utilise ZQSD pour me déplacer. Après, du coup, j'ai mis le clavier en QWERTY. Sinon, c'est vrai que je pourrais aussi jouer avec les touches fléchées.
mais c'est pas du tout naturel, c'est pas du tout intuitif parce que du coup, enfin, comment est-ce que je touche la souris? Ou alors comme ça, mais ce serait un peu bizarre. Moi, ma boîte est buggée, je peux pas répondre aux lettres, je peux pas écrire. Ah bah, super ça, le fonctionnement de la boîte aux lettres qui fait tout sauf servir de boîte aux lettres. Moi, j'ai gagné plusieurs médailles au championnat de Veildale. Oh, t'es trop forte, Léa! Moi, juste, je l'ai jamais terminée. Est-ce que tu vas changer de cheval après? Bah, une fois que Hollow Knight sera niveau 15, ouais. Mais je sais pas. Je sais pas lequel je prendrai après. Je verrai. Je prendrai peut-être un cheval de génération 2 juste pour le fun. Parce que j'ai des générations 2 aussi à entraîner. Tu peux activer la quête qui est à droite pour avoir des Jorvik Shilling, de l'XP et un jeton. Oh, attendez, faut que je fasse ça du coup. Ah oui! Ah oui, cette quête-là. Ah, mais j'avais oublié de la lancer à Silverglade du coup. Ah, je suis emboulée. J'avais oublié que oui, il y avait cette dame au festival. J'avais totalement oublié. Whoop! Excuse-moi, je me range avec toi, Dashia. Tu pourras nous faire choisir. Ouais, pas bien, pas bête ça c'est comme idée. Mon poney galop génération 2 est tout buggé en ce moment, c'est pénible. Ah mais de toute façon les chevaux de génération 1 et génération 2, c'est peine perdue pour les réparations de bugs. Je pense pas qu'ils vont réparer quoi que ce soit dessus malheureusement. Il te reste combien de chevaux à entraîner? Je crois qu'il m'en reste 8 à entraîner. Faudrait que je regarde dans l'écurie. Choisir pourquoi? Choisir le cheval que je sors après, une fois que Hollow Knight est niveau 15. Alors, il y a qui dans le groupe avec nous cette fois-ci? Bah, il y a Dashia avec qui j'étais posée sur la montagne. Enfin, la montagne. Sur le tronc d'arbre. Il y a Inès. Il y a Eva. Il y a Isabelle. Il y a Aurore. Barbara. Sabrina. Agnès. Léa. Défina. Non, Delphina. Lola, Melinda, April, Alexandra, Ambra, Angelica, Luna, qui fait ce championnat avant d'aller promener son chien. Et puis c'est bon, je crois que l'appel est fait. S'il y a quelqu'un qui se planque là. Et Alice. C'est quoi le nom du jeu? C'est Star Stable Online. D'ailleurs, n'hésite pas à aller voir en bio pour avoir des petits avantages si jamais tu as envie de tester le jeu. Depuis que je suis Star Rider, je comprends les gens qui ont des inventaires pleins comme moi. Bah oui, parce que déjà, t'as plein d'objets avec les quêtes. La lumière, ça prend de la place. Les festivités, ça prend de la place. L'équipement, ça prend de la place. Hello, are you okay? Hey, I'm fine and you? Après que tu aies fait toutes les courses du festival, tu vas faire quoi? Bah, ça y est, on a fait toutes les courses du festival, mais du coup, qu'est-ce que je vais faire après? Bah, du coup, on va aller à Morland, faire les courses de Morland. On va changer très probablement de cheval. Ensuite. Wouah! J'avais pas la direction sur ce virage. Ensuite, on va faire les Lucioles, je pense. Je suis la seule à pas jouer sur PC car mon ordi rame trop. Bah, je pense qu'il y en a d'autres qui sont dans ton cas. Alors on va essayer au moins de. Ouah! Ok. Comprenez pourquoi j'ai du mal à finir ce championnat. Laissez-moi! Laissez-moi passer! Ok. Systématiquement, j'échoue le championnat ici. Voilà, l'essentiel c'est de participer, comme on dit, hein. Du coup, je quitte le groupe du championnat. Dans tous les cas, j'ai perdu. Oh, rip. À l'entraînement, j'ai jamais aucun problème. Par contre, systématiquement, quand je fais le championnat, j'ai ça qui se passe. Pourquoi tu réponds pas à mes messages? Parce que j'avais pas vu ton message. Hello Rika! Coucou Karine! Moi mon poney Jorviko de génération 1, il bug pas du tout. Oh la chance! Il ne faut pas sauter dans le tronc. Ah merde! Ah c'est pour ça que je me coince dedans. Ah. J'ai une question, on veut refaire mon ordi, mais on a acheté Minecraft, mais vu qu'on va le refaire, j'aurai toujours Minecraft.
Oui, tu auras toujours Minecraft, vu que quand tu achètes Minecraft, tu l'achètes avec un compte et tu auras toujours accès à ce compte. Tu as des youtubeurs, ils ont au moins 100 millions d'abonnés et toi tu en as que 42 000, je trouve ça affligeant. Bah après, enfin, faut comparer ce qui est comparable, je fais pas non plus du contenu de dingue et surtout, enfin, je fais du contenu très niche. Enfin, genre, si je faisais des choses qui intéresseraient plus de monde, j'aurais forcément plus d'abonnés, mais je fais des jeux vidéo et surtout beaucoup de jeux vidéo avec des poneys, ça intéresse pas des masses quoi. Donc c'est normal, en vrai, je trouve ça déjà super bien d'avoir 42 000 abonnés pour mon contenu super niche comme ça. Oh, t'es arrivée 10e, Léa! GG. Revendre les lucioles, c'est tellement rentable. Ouais, tellement. Par contre, du coup, là, ce qui était pas rentable, c'est que j'ai crafté plein de friandises, sabots heureux, que j'ai pimpé mon cheval pour que le canasson, il se plante dans le tronc d'arbre, quoi. Oh, j'ai le gigasum. D'ailleurs, est-ce que je peux abandonner la quête? Parce que... Enfin, c'est chiant, quoi, ça garde la quête active. Non, bah, c'est pas grave. Bon, bah, on va retourner à Morland, hein. L'essentiel, c'est d'avoir participé. J'ai mis une avance de fou. Allez, je file, je reviens après si tu es toujours en live. Ça marche, Luna. Bah moi, je t'avoue que j'ai pas terminé mon championnat. J'ai un peu le seum. Je suis rentrée bredouille. En plus, j'ai farm les friandises sabots heureux avant, quoi, pour essayer d'aller vite, pour rentabiliser ce championnat. C'est comme quand tu payes un engagement, une blinde, que tu fais un super long trajet pour aller à ton concours et que t'es éliminé sur le 1. C'est un petit peu la même sensation, là. Oh, le seum! Mais oui, il y aura d'autres occasions, Laura, t'inquiète pas. Un jour, je le finirai. Même si je finis dernière, je m'en fous, je veux juste le finir. T'as dopé ton poney. Ouais, je lui ai donné des fleurs un petit peu vigoureuses, vigorifiantes. J'arrive, attendez, ça marche. Je vais déjà juste doucement à Morland, mais comme ça, vous pourrez nous rejoindre. Par contre, j'ai archi soif. Pourquoi j'ai soif comme ça? En plus, faut pas que je boive trop parce qu'après, je vais au poney. Enfin, si j'ai envie de pisser sur le trajet, c'est un peu chiant. Tu termineras le live vers quelle heure? Vers 16 h, parce qu'après, je file. Je suis trop contente car dimanche prochain, j'ai un cours privé gratuit avec un cheval de proprio car j'ai perdu confiance. En lui, je suis trop impatiente. Ah, oh bah c'est chouette ça que t'aies l'occasion de te remettre en confiance. J'ai un nouveau cheval. GG Jade. Je t'ai envoyé une story de SSO sur Insta, ça pourra t'être utile. Je vais voir ce qui me sera utile du coup. Coucou Anae. Story SSO. Bon, attendez, je vais voir la story de SSO tout court. Ils se sont identifiés plein de fois sur starstable.com. J'ai pas trop compris. Ah! Ah, il y a un vrai code dedans. Attendez, on va aller voir ça. Non, pas ce lien-là. Consulter. J'accepte les cookies. Clique ici. Un peu chiant. Ah! Oh! J'ai réussi à cliquer et ça me demande juste de me connecter. Attendez, je vais me connecter. Ouais, je regarde du coup ce qui se passe sur le site de SSO, mais je pense que c'est juste un poisson d'avril. Ok, attendez, on va voir combien ça ramène. Là, j'en ai 7138 et je vais utiliser le code. Je sais pas si s'est passé quelque chose. Ah non, ça a pas donné de Star Coin. Parce que ça m'a donné un truc dans la boîte aux lettres. Un cadeau pour toi. Oh, une carotte! Oh, trop bien! Tout cet effort pour une carotte.
C'est trop bien. Je pense pas que je vais faire une vidéo pour partager ce code parce que je pense que beaucoup d'efforts pour une carotte. Mais du coup, le code c'est You are welcome. C'est quoi le code? En gros, dans la story Instagram de SSO, il y a un lien qui est caché qui ramène vers le site du jeu. Et sur le site du jeu, il faut cliquer sur un truc et après ça donne un code. Du coup, c'est vraiment You are welcome en majuscule tout attaché et ça donne une carotte. Waouh! Mais merci du coup à la personne qui m'a partagé le petit jeu concours, enfin jeu concours, le petit code caché. C'est rigolo. Ouais, merci du partage, Nina. Je suis contente. Hier, je suis allée au poney et je sais qu'il y avait un contour et je me suis inscrite. J'ai pris CSO. Ce sera mon premier concours. J'ai trop hâte. Oh, c'est chouette. Tu t'es inscrite sur quelle hauteur? À tout à l'heure, je vais manger mes chocolats. Ça marche, Juliette. Régale-toi. C'est quoi le thème de ce live? C'est on joue à Star Stable Online et on fait quelques courses, les jetons du festival, farmer les lucioles, etc., etc. Laura, dans ton ancien live, j'étais là. C'est possible. Sur Distant Bloom. J'ai pris 80 cm. Ah ouais, ça fait déjà une sacrée hauteur pour un premier concours. Bah bon courage. Alors Agathe, la revente de compte est interdite par les conditions génération d'utilisation du jeu. Donc pas sur mon live, s'il te plaît. Je vais pouvoir farm les lucioles avec vous, j'ai enfin débloqué ça. Oh, trop chouette, Rika. Coucou, je suis contente, je me suis acheté 10 000 Star Coins. Ah, bah fais-toi plaisir, Eva. Ah ok, merci, je savais pas. Bah, t'es censé lire les conditions génération... je sais pas parler. Les conditions générales d'utilisation, t'es censé les lire avant d'installer le jeu. Comment on supprime les commentaires? Je sais pas du tout si TikTok permet de le faire. Je suppose si tu cliques dessus. Qui les lit sincèrement? Bah moi. Enfin, je sais pas. Ça me paraît logique de vite fait jeter un œil sur ce qu'on a le droit ou pas le droit de faire. Après, la majorité des jeux interdisent la revente de comptes, hein. C'est un petit peu le béaba de la plupart des jeux en ligne. Coucou, petite question, les Starcoins doublés restent jusque quand? Bah jusqu'à aujourd'hui, je crois. Coucou Shiny, ça va super et toi? Tu te souviens pas, c'est moi C19. C19, C19. Bah je vois ton pseudo, mais... J'ai un petit peu une mémoire nulle pour les prénoms, donc là, ça m'évoque rien du tout. Coucou Starlette. Et le book du 22, mon jeu, c'est Star Stable Online. Oui, ils partent à 15 h. Ah, mais il est déjà 15 h. Ou alors c'est 16 h du coup avec le décalage horaire. Tu acceptes les demandes d'amis? Pas du tout. Les Starcoins doublés viennent de s'écouler il y a 11 minutes. Ah oui, bah du coup, courage à ceux qui n'ont pas pensé à les acheter à temps. Ah, j'avoue, profitez de vos Starcoins. Moi, je suis tellement radin que je dis que les codes, comme quoi j'apprends à être patient. Après, c'est une bonne chose aussi d'apprendre la patience. J'ai eu une demi-pension, je suis trop contente. Oh, trop chouette! Tu finis quand ton live? J'aimerais regarder ton live en me douchant. Je finis à 16 h. Il y a un poisson d'avril cette année, je ne peux pas jouer, donc je ne sais pas. Oui, il y en a un. Le poisson d'avril, c'est dans la story Instagram de Star Stable. C'est un code cadeau qui donne une carotte. Il y a tellement de gens que mon SSO ne supporte pas. Je peux pas rester à Morland. Ah oui, surtout sur les serveurs 1 et 2, en ce moment, il y a masse monde. Bah forcément, avec le festival équestre, il y a beaucoup de gens de connectés à chaque fois. Coucou Jessica, coucou Raouf.
Je viens d'aller voir, il y a encore les Starcoins doublés. Ah, c'est peut-être jusqu'à 16h du coup avec le décalage horaire. J'ai eu mon cheval à Noël, elle est arrivée dans mon jardin, j'étais tellement heureuse et j'ai commencé les concours avec elle. Oh, c'est trop mignon ça comme cadeau de Noël. Est-ce qu'elle avait un ruban autour de l'encolure? Vous vous souvenez du poisson d'avril avec l'immense Shire à 1 Starcoin? Ah, je l'ai pas connu celui-là, mais j'en ai pas mal entendu parler, ouais. Bah du coup, il reste les trois courses ici. On va faire celle du cirque aussi, et après, on va faire les lucioles. On pourra prendre une photo sur la plage de Fort Pinta. Ouais, c'est prévu, Jade. Le cadeau que tous les cavaliers rêvent, vraiment. On a tous rêvé de ça qu'un jour, nos parents. Nous mettrait notre cheval préféré dans le jardin avec un petit ruban autour de l'encolure. Mon jeu bug tellement que je peux pas jouer. Mince. Faut que tu essayes de te reconnecter à une heure où il y a moins de monde connecté. Genre ce soir après 20h ou alors demain en journée. C'est vrai que là, avec le week-end de 3 jours, il y a beaucoup beaucoup de monde qui est connecté sur les serveurs du jeu. Moi, je me souviens de la voiture, c'était trop drôle. Je me souviens surtout que j'avais joué le poisson d'avril à fond et que genre j'avais fait croire que j'avais vendu tous mes chevaux pour acheter la Jorvik Car. Et je me suis fait mais démonter dans les commentaires en mode « Oh, mais t'es trop bête! Pourquoi tu vends tes chevaux? » Vraiment, une voiture, c'est trop nul. Alors que bah, c'était la blague. J'ai connu que les poissons d'avril avec le Car Stable et Mininou. Oh, il était trop marrant, le Mininou aussi. J'ai connu la grosse tête aussi. Tu as vu les chevaux à pièces sur Equestrian The Game? Ouais, bah c'est pour ça que j'ai pas rejoué à Equestrian The Game, parce que là, les décisions qu'ils prennent, au bout d'un moment, je peux pas défendre l'indéfendable. Moi, j'ai toutes les courses, mais pas celle-là. Bizarre, peut-être que je suis pas star. Oui, c'est une course qui se débloque avec la réputation avec les Bobcats. Et surtout, je crois que c'est une quête réservée aux stars. Bon, on va aller au niveau du cirque. Oh non, j'ai encore l'animation du cheval qui se retrouve accélérée. C'est trop bizarre quand ça fait ça. Genre, c'est juste un bug d'affichage parce qu'il va pas plus vite en réalité, mais du coup, il a l'air énervé. Bon, ça va peut-être rentrer dans la norme. Sur Equestrian The Game, je suis choquée du fait qu'on peut acheter des chevaux qu'avec des pièces d'or. Bah, il y en a toujours qu'on peut acheter en billets, mais si tu veux certaines races, t'es obligé de passer par les pièces, c'est un peu abusé. Désolée de te déranger avec ça, mais tu pourrais me donner le code pour la carotte. Je ne le vois pas dans la story de Star Stable Online. C'est You Are Welcome en majuscule. Je peux pas vous rejoindre, j'ai pas fini mes devoirs. Ah mince! Bah finis tes devoirs plutôt que de regarder le live sur TikTok du coup. Equestrian The Game, ils abusent, ils veulent juste essorer les joueurs. Bah, après c'est un peu le but de n'importe quel jeu vidéo, c'est de faire un maximum de pognon. Mais oui, là pour le coup ils abusent. Surtout que enfin, dès le début, leur modèle économique n'était pas viable. Ils s'en rendent compte 2 ans après. Comment on obtient cette course du cirque? Il faut avancer dans les quêtes principales. Ils ont fumé la moquette totalement. Tu as vu la story de SSO, ça veut dire quoi à ton avis? Bah la story avec Sabine et tous les codes, c'est juste un code pour une carotte. J'ai 26 pièces d'or sur Equestrian The Game, bah très bien. Tu pourras même pas acheter un cheval avec, ni beaucoup d'améliorations d'écurie. En plus, c'est ça le pire. Si c'était seulement les chevaux qui sont passés en pièces, il n'y aurait pas de problème. Mais là, toutes les améliorations, à partir d'un certain palier, coûtent des pièces d'or. Alors que les anciens joueurs, on n'a pas dû payer pour ça, quoi. Du coup, tous les nouveaux joueurs, ils se trouvent mais lésés de fou. TikTok, c'est vraiment sympa pour les arnaques. On peut faire des sondages cadeaux. Les gens payent pour répondre à un sondage. Oh, mais génial, ça!
Super ça pour essorer le pognon des gens sur TikTok. Est-ce que au moins une fois c'est arrivé que le fait qu'un code SSO soit écrit autrement qu'en majuscule? Non, ils les mettent toujours en majuscule. Parce que de cette manière, au moins, c'est plus facilement lisible parce que tu confonds pas un I majuscule avec un L minuscule. C'est normal qu'on te voit en avance sur SSO. Oui, il y a toujours un peu de latence entre ce qui se passe réellement et ce que vous voyez sur YouTube. Est-ce que si on vend un cheval, on gagne de l'argent? Sur SSO, tu récupères des shillings mais pas de starcoin. Du coup, ça sert un peu à rien de le vendre. Bon, du coup, on va farmer les lumières. Ça vous chante? Du coup, ça c'est fait. Et du coup, c'est parti, on va aller au bois et creux. Est-ce que j'ai encore de la poudre de jardin en stock? Ouais, j'ai un peu de poudre de jardin en stock, ça va être pas mal pour bah, faire les glyphes. Pronostic de la prochaine race SSO. Bah, du coup, ce sera le American Saddlebred, c'était annoncé. Salut, désolé, j'ai pas pu arriver au début car là il est 9h18 du matin, je viens de me réveiller il y a 5 minutes, j'étais en mode vite, elle est en live. Ah oui, si t'es au Québec avec le décalage horaire, ça te fait un peu tôt, c'est vrai. Coucou une vie équestre, comment ça va? Vous avez hâte des nouvelles robes du KWPN? Ouais, j'ai trop hâte parce que c'est une race que j'aime beaucoup au niveau de ses animations. Et au niveau de sa morphologie aussi. Et les nouvelles robes, je les trouve absolument incroyables. Donc j'ai trop hâte. Désolée, je peux pas. J'ai pas le niveau pour y aller. Ah mince, Jade. Ah, t'inquiète, à la toute fin du live, genre vers 16h. Non, pas vers 16h, vers 15h. 50, on reviendra à Fort Pinta pour la photo de fin de live. J'hésite entre acheter la Finger ou l'Islandais, tu me conseilles lequel? Ah, j'aime bien les deux. Petite préférence pour le Haflinger quand même, mais l'Islandais est pas mal aussi. Bah, ça dépend des robes que tu préfères, je pense. Moi, perso, j'aime pas trop ces nouvelles robes. Les goûts et les couleurs. J'attends les prochaines robes du sel français. Ah, il va avoir de nouvelles variations de robes. Oh, c'est chouette ça. J'espère qu'ils feront un sel français de couleur encore parce que je les trouve plus jolis quand ils sont colorés. Une, ok. Bah, j'ai hâte du coup de savoir aussi à quoi ça va ressembler. Je regarde un petit peu s'il n'y a pas un puzzle dans le coin, mais j'ai du mal à en avoir en ce moment. Il y a des fois j'en ai, des fois j'en ai pas. C'est vraiment très aléatoire. Je pense que là j'aurai pas de puzzle aujourd'hui. Je sens que j'ai pas de chance aujourd'hui. Faudrait que j'aille m'occuper du jardin aussi. D'ailleurs, c'est que les fleurs hybrides qui ramènent plus de graines. Les fleurs normales ramènent pas plus de graines, je crois. Parce que si c'est ça, faudrait que j'aille faire de l'engrais aussi. Oui! Bon, bah je redescends, je vais faire le glyphe. C'est quoi le cheval le moins cher dans le jeu? Je suis pauvre. N'hésite pas à aller voir comment ça s'appelle? À la grange vintage de Marley, au niveau de la ferme de Marley. Il y a des chevaux de génération 1 et 2 qui sont pas chers. Bon, ils sont moches aussi, mais ils sont pas chers. Ok, j'ai traversé un tas de feuilles, il y avait littéralement rien dedans. Par peur de crasher sur SSO, je regarde le live tout en faisant mes courses et les lucioles sur le serveur 5. En vrai, c'est une bonne solution, ça, Aiko, aussi, pour bah, te motiver à jouer en même temps. Genre, tu fais semblant d'être avec nous, mais sans être avec nous, ça fonctionne aussi. Alors, angle droit, J. Spirale, vers le bas et Y. Ok, c'est parti. Vers le bas. Oh, je suis fatiguée, j'aurais dû me faire un café ce midi. Pas là. Ah, le Y il est là et la spirale est là. Le cheval le moins cher c'est le poney Jorvikois génération 1, un 200 Starcoin.
mais Imo, ça vaut pas le coup. Non, vraiment, hein, il est pas beau, il peut rien porter comme équipement. En vrai, il a son charme, mais autant économiser pour un autre cheval, quoi. Le J, il est là-bas. Et l'angle droit est là-bas, et du coup, je crois que c'est déjà bon. Ouais. Ça va, on commence à savoir où est quoi. Tu savais que l'Andalou partait pour toujours après le festival? Ah bon? Je savais pas du tout. Bah, en vrai, pourquoi pas, hein, parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de robes là qui reviennent tous les ans au festival. Mais enfin, c'est un cheval de génération 3, pourquoi ils arrêtent de le faire revenir? Perso, j'ai une question parce que la baronne, je suis à 41 sur 40, donc j'ai terminé, mais il n'y a pas une baronne qui vient, donc mes quêtes et champs partent dans le vide. Oui, c'est normal, elle viendra qu'à partir de la semaine prochaine ou de la semaine d'après. En plus, il y a le poney Jorvikois génération 2 qui est à 300, il me semble. 350, mais oui, il est beaucoup plus beau. Ah, mais c'est même pas le... Il est génération 3 d'ailleurs, le poney Jorvikois. À 350. C'est pas de la génération 2, c'est génération 3. Je crois. Ah, c'est l'Andalou de génération 1 qui part. Ah, du coup, c'est pas celui du festival, c'est celui de génération 1. Bah oui, ça paraît beaucoup plus logique. Vers l'intérieur, pointe, flèche, J avec le point vers le haut. Ok. Donc, vers le haut. Non, pas celui-là. Pas celui-là. Le J. Non, c'était le J avec la pointe. Non, le J avec le trou. Non, avec le point. C'est l'éclair. Ah, l'éclair est lié. Je crois que l'intérieur, il est là-bas. Non, ça, c'est vers le bas. Ah, le J avec le point vers l'intérieur. Et du coup, il m'en reste un. C'est la pointe qui est là. Trop fort. J'ai toujours pas compris pourquoi SSO ont retiré les Appaloosas de génération 2 aussitôt, alors que la majorité des générations 1 étaient encore en jeu à ce moment-là. Je sais pas non plus. Vraiment, c'est aléatoire la manière dont ils retirent les chevaux du jeu. Mais je pense que c'est un rapport avec la vitesse des refontes aussi. Par contre, vraiment, les poneys Jorvikois de 3ème génération, ils ont des allures tellement bizarres. Elles sont trop cassées, c'est un truc de fou. J'ai l'impression qu'ils sont tétraplégiques au galop. Oui, bon, ils sont pas folichons, mais ils sont pas chers. Coucou le haras de l'Everest. Tu as des conseils à donner pour les nouveaux joueurs? Économisez vos star coins, faites vos réputations, faites vos quêtes, profitez des festivités et surtout pensez un petit peu à faire tous les jours les lucioles parce que ça ramène pas mal d'expérience et surtout de shilling. Ça vaut large le coup. Coucou Camille, coucou la cavalière. Et le championnat de l'écurie Jorvik, on le fait. Est-ce que je me motive à le faire? En vrai, ouais. Vas-y, j'arrive Léa. On se motive à le faire parce qu'en vrai de vrai, j'ai donné des friandises à mon cheval pour qu'il aille plus vite et tout. Donc un peu le giga sum que du coup il aille pas plus vite. Bon, attendez, par contre je vais utiliser la manière la plus écolo de m'y rendre, c'est-à-dire retourner sur le site du festival et me téléporter au site du championnat. Ça va aller beaucoup plus vite. N'oublie pas les quêtes du championnat si tu les as pas encore faites. Ouais, mais je vais pas avoir le temps de faire le petit détour à Morland là pour l'activer. Donc tant pis pour cette fois. J'activerai déjà au moins la quête directement sur l'endroit du championnat. Comment on fait pour les friandises? Alors les friandises, pour les fabriquer, il faut que tu progresses dans la voie du jardinage. Coucou une cavalière oubliée. Bonjour Laura, contente de te retrouver en live. Coucou Rachel, bah, je suis ravie que tu es ravie. Coucou, tu préfères que le pur sang arabe de l'événement noir ou le sel français? J'ai une préférence quand même pour le pur sang arabe. Et il est pas noir. Enfin si, il est noir, mais il est noir ubicano. Du coup... Écurie Jorvik. Let's go!
Coucou, j'aime trop tes vidéos. Coucou Chloé, je suis ravie que mes vidéos te plaisent. Ok, donc on va activer la quête avec Julie. Et cette fois-ci, j'espère arriver au bout de ce championnat. Parce que vraiment, aujourd'hui, je ne suis pas très douée pour les championnats. J'ai un souci, j'arrive pas à cliquer pour le championnat. Oh non, tu vas pas pouvoir le faire du coup, Léa. Salut, j'ai 41 sur 40, mais la baronne n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'elle arrive que dans les semaines à venir. Elle n'arrive pas encore aujourd'hui. Coucou, j'ai trop envie de débuter ce jeu. Coucou Mimi. Bah, si jamais t'as envie de débuter, n'hésite pas à passer par le lien dans ma bio. Comme ça, t'as 3 jours d'abonnement qui te sont offerts gratuitement pour tester justement si t'aimes bien ou pas. Pourquoi j'ai pas le dressage à l'écurie Jorvik? Est-ce que tu as accès à l'écurie Jorvik? Tu peux aller à Morland pour que je te rejoigne. À 15h50, je vais revenir à Fort Pinta pour la photo de fin de live. On pourra se rejoindre à ce moment-là si tu veux. Je me demande si un jour dans SSO ils vont mettre des bonnets pour chevaux, bien sûr, ce serait sympa. Peut-être pour avoir un peu plus de contraste. De contraste? Je suis pas sûre que tu as utilisé le bon mot, mais oui, je pense qu'on aura un jour des bonnets. Je pense que tu voulais dire cosmétique, non? Mais oui, je pense que on aura des bonnets un jour, mais pour ça, faut qu'ils revoient déjà le système d'inventaire. Ils sont en train de travailler dessus pour le refaire, parce que actuellement, ils ne peuvent pas ajouter plus d'équipements sur les chevaux. Est-ce que tu connais Adopt Me sur Roblox? Sinon, je te lance le défi de tester. Je connais vite fait et après, ça m'intéresse pas particulièrement. Tu es sur Twitch en même temps? Non, sur YouTube. T'es relâche, c'est bon. Ah, nickel. Du coup, oh oui, t'as réussi à t'inscrire à temps. Attends, je me pose à côté de toi. Ou hop. Voilà. Je suis là. Comment tu as fait pour créer un compte? Je sais pas c'était quel serveur, de quel pays, mais sur un serveur pas français, mais t'as fait comment? J'ai utilisé un VPN. J'avais eu une affiliation NordVPN à un moment. Et du coup, j'avais utilisé un VPN pour le créer. Ça sert à quoi d'impressionner la baronne? Bah, d'ici la fin du festival, ça servira à gagner un petit ruban et sûrement un petit compagnon. J'espère qu'ils vont agrandir l'inventaire avec cette update parce que le mien commence à être plein. Mais pareil, il y a plein de joueurs qui ont plus de place. Genre, on veut bien acheter toutes les nouvelles tenues qui sont absolument incroyables. Oh! C'est ça, on avait la place de les stocker parce que, enfin, je me vois pas revendre des choses que j'ai payées une blinde à un moment donné. Il est où le compagnon crabe? Il a été désactivé pour l'instant et il reviendra en jeu le temps voulu. Coucou Twitoui! Et le festival va durer 4 semaines. Du coup, à partir de mercredi, il y aura encore 3 semaines de festival. Vas-y, je vais essayer de jouer à peu près correctement là, du coup, sur ce championnat. Celui-là, normalement, je le gère à peu près. Enfin, à peu près. C'est vite dit. En plus, j'ai quand même pas mis mes fers qui vont vite. Genre, je fais les trucs bien, mais qu'à moitié. Mais il y a des gens et ça va aller trop vite dans les descentes. Je suis impressionnée. Oups! Du coup, pourquoi j'ai pas le dressage? Bah, du coup, je sais pas pourquoi tu as pas cité Star Rider. Faudrait qu'ils refassent les chevaux ici un jour parce qu'ils sont pas très réalistes. Genre, c'est les vieux chevaux de génération 1. Enfin, même des jeux précurseurs, genre, qui traînent dans la carrière du championnat. Vivement qu'ils soient refaits. J'espère vraiment que tous les championnats vont être refaits cette année. Parce que rien que le championnat de Veildale, banger. Donc, vraiment, faut que les autres y soient refaits aussi. C'est quoi le plus haut niveau du jeu? Alors, obtenable de manière legit, sans exploiter des bugs ou quoi que ce soit, je crois que c'est 26 ou 27. Mais je sais pas s'il y a des personnes de niveau plus haut. Ils sont trop forts les gens de devant. Je pense que si j'avais mis des fers qui vont vite, il y aurait moyen. Il y aurait moyen de les rattraper, mais là j'ai pas les fers qui vont vite. Donc on reste à la fin du peloton de devant. Ah, c'était pas l'idée du siècle de sauter là-dessus, ça fait perdre du temps.
Je vais voir si j'arrive à prendre le raccourci ici. Oui, raccourci de prix. Par contre, il y a des gens, ils sautent dans les escaliers, ils sont courageux. Franchement, c'est pas conseillé parce que des fois, tu rentres dans le sol et du coup, tu t'arrêtes de manière très brute. Ta chia, elle est motivée. Elle dash. Ok, c'était pas drôle. Oh, il y a quelqu'un qui s'est foiré. Vas-y, vas-y, je peux gratter une place, je peux gratter une place. Ouh, je suis troisième, je suis troisième, je suis troisième, je suis troisième. Allez, avance, avance, petit poney, avance, petit poney, avance, petit poney. Ouh, je suis troisième. T'es niveau combien? Je suis niveau 25, moi, sur le jeu. J'ai des bugs chelous, genre quand mon chien, il saute, après, il y a de la fumée qui sort de ses sabots. Ouais, mais ça, c'est normal, je crois qu'ils avaient fait exprès qu'il fasse de la poussière parce qu'il est lourd. Et quand je termine une course, je descends de mon cheval. Ah ouais, ça, par contre, c'est embêtant. Ah, mais par contre, je suis trop content, genre troisième. Waouh, incroyable. Comment vas-tu? Ça va super et toi, Twitwi? Oh, j'ai gagné une petite rosette et tout. Oh, je suis contente, attendez. Je vais récupérer la rosette, du coup, pour la peine. Laissez-moi frimer avec jusqu'à la fin du live. Voilà. Un peu de frime. Bon, elle est pas très belle, la rosette. Hein. Je sais pas si elles ont été refaites, les rosettes, depuis le début du jeu. Déjà, je me permets de zoomer dessus, mais je crois que... Ouais, non. C'est toujours les vieilles rosettes toutes plates, mais... Laissez-moi frimer jusqu'à la fin. Est-ce que tu sais si Tales of Rhaenravine va bientôt sortir car la créatrice ne donne pas de nouvelles? Bah, j'ai pas de news non plus. Si la créatrice donne pas de nouvelles, je vais pas en avoir plus non plus. Coucou Silent Scorpions, comment ça va? Juste niveau 6 pour un cheval, c'est bien. Bah c'est un début. Après, ils ont leur stat maximum à partir du niveau 13. Ils ont pas touché aux rosettes pour l'instant. Ouais, malheureusement, elles sont toujours toutes raplapla, toutes moches. Bah du coup, on va retourner à Veildale. Bon, je vais prendre le van là, par contre, pour retourner à Veildale. Je vais m'occuper un petit peu de mon potager et réfléchir à une stratégie pour optimiser la lumière que ça donne. Je regarde les blagues du 1er avril de loin en attendant que ça passe. J'avoue que le 1er avril, faut prendre avec des grosses pincettes tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Oh. C'est dommage, t'as raté mon poisson d'avril en début de live. Ah, t'es de retour, Luna. Coucou. Vont-ils refaire le prix des championnats selon toi? Les récompenses, oui, je pense qu'on va être refaites un jour quand même pour qu'elles soient plus jolies. Je regarderai sur la retif. Bonne idée, ça. Du coup, attendez, mon potager, je voulais voir ce qu'il en est. Parce que là, du coup, j'ai 413 graines. J'ai gagné 3 graines en ramassant une fleur hybride. Là, j'ai rien gagné du tout. Là, j'ai rien gagné du tout. Pourquoi des fois je gagne des graines? Pourquoi des fois je gagne pas de graines? Et là, j'ai gagné des graines. Là, j'ai gagné des graines. Non, là j'allais replanter, mais c'est pas du tout ce que je voulais faire. Là, j'ai pas gagné de graines. 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 Là, j'ai gagné des graines. Ok, donc de temps en temps je gagne des graines, de temps en temps j'en gagne pas, mais du coup au final je gagne pas plus de graines que ce que j'en utilise pour replanter, je pense. Faut pas trop compter du coup sur le potager pour farm des shillings, je pense. Pour la rosette, ok elle est moche, mais au moins tu en as une alors que moi j'en ai pas. Mais t'en auras une un jour aussi! D'après toi, qu'est-ce qui serait amélioré en priorité dans le jeu? Bah là, qu'est-ce qui commence à urger? C'est vraiment l'inventaire, parce qu'on n'a plus d'espace. Sinon, je sais pas. Y a rien de très urgent, à mon sens, je trouve. Sur Tel, on voit où les championnats? Je sais pas du tout, je connais pas très bien l'interface téléphone. L'Andalou du festival fait du pas espagnol. Ouais, bah comme tous les Andalous de génération 3.
La refonte de la vallée du dino. Ah ouais, j'avoue, ça, ce serait pas de refus, mais je crois qu'en plus, c'est pour cette année. Ils ont un petit peu teasé des trucs et on a cru comprendre que ce serait sûrement pour cette année. Il faudrait un immense inventaire, celui dans l'écurie. Non, faudrait surtout un tout nouveau système, parce que si tu fais un inventaire géant, mais que c'est toujours mal trié, ça sert pas à grand-chose. Toi non plus, t'as plus beaucoup de place, Léa. Oh, par contre, les fleurs là qui sont buggées, un peu chiant. Je sais pas pourquoi là, je ramasse des fleurs, mais il se passe rien. Pareil, je plante des fleurs, il ne se passe rien. Je pense que les serveurs, ils sont en PLS. Ah ouais, mais en plus, je vois les gens marcher sur place. Oh, je sens que je vais me faire déconnecter d'une seconde à l'autre. Bon, bah, je laisse tomber le potager pour l'instant. Le jeu. Oh, mais même l'inventaire, il a planté. Ouais, c'était sûr. Oh, c'était sûr. Je le voyais gros comme une maison. Quelle dada me conseillerais-tu pour 400 Star Coins? Je te conseillerais d'économiser, comme ça tu pourras prendre des jolis chevaux lorsqu'ils seront en promotion. Bon. Attendez, je relance le jeu. Je mets l'écran de pause, du coup, le temps de relancer, je reviens. En train de se relancer du coup. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire pour la vallée du Dino, la zone a du potentiel. Je suis d'accord, surtout qu'on a vu avec la forêt du Bois Écreux que les refontes maintenant vraiment ils maîtrisent le fait de bien respecter l'esprit de la zone et de le bonifier et vraiment de rendre la zone très, très variée. Bon, je suis de retour, il n'y a plus personne dans le jardin. Les autres ont été déconnectés aussi? Non, c'est bon, je les vois revenir. En fait, sur le compte où il y a 400 Star Coins, je suis pas star. Bah après, en ce moment, Star Stable a l'air plutôt généreux avec les codes cadeaux, donc ça peut valoir le coup d'attendre un petit peu et d'attendre qu'ils en donnent un peu plus pour que tu arrives genre à 500 ou 600 Star Coins. Coucou Chloé! J'ai acheté 2000 Star Coins. Ah, bah bon shopping à toi du coup, Jade. Bah, du coup, je vais replanter mes petites fleurs. Ouais, je sais pas pourquoi ça m'a déconnecté. Bon, peut-être ça m'a soupçonné de triche. Comme très souvent quand je fais les fleurs, ça me déconnecte. C'est pas encore au point la techno derrière le potager. C'est quand la photo au Fort Pinta? Dans 10 minutes. Dans 10 minutes, rendez-vous au Fort Pinta pour la photo. C'est où et quand le prochain championnat? Bah je sais pas, je vais attendre que ça marque la notif. Mais on le fera pas le prochain championnat parce que moi je vais devoir vous laisser. Je vais acheter 10 000 Star Coins la première fois que j'en ai autant. Oh, bah profite bien, mais n'hésite pas à en garder un petit peu pour faire durer le plaisir. Tu me conseilles quoi comme cheval? Je dois tout de suite acheter un cheval sachant que j'ai 771 Star Coins. Pourquoi tu dois acheter un cheval tout de suite. Après, pour 771, à part les quelques chevaux à 750, t'as pas l'embarras du choix. En vrai, je te dirais de prendre un cheval en promo au festival. Je pense que c'est un des seuls trucs qui rentre dans le budget avec les races récentes. Le prochain, c'est New Hillcrest. Ah bah, tant mieux parce que je l'aime pas. Du coup, j'y rate pas grand chose. À la limite, si c'était Fort Pinta, ouais, on l'aurait fait, mais New Hillcrest, c'est à l'autre bout de la map. En plus, je déteste le championnat de New Hillcrest. C'est pas une grande perte de pas le faire. Je t'attends devant le van avec mon hibou jusqu'à 50. Bah, ça marche, on arrive. J'aurais peut-être une minute de retard, je sais pas, mais oui, on serait à 50 pour la photo.
Ce serait cool qu'ils rajoutent des activités à Epona, la zone est un peu morte, je trouve. Ouais, mais avant ça, faut qu'ils rajoutent des activités dans les zones qui sont accessibles à un plus grand nombre. Parce que c'est bien beau de mettre du contenu dans une zone à laquelle une minorité des joueurs finalement a accès. Tu me proposes quoi comme cheval? J'ai 1080 Starcoin. Bah du coup, peu importe. Tous les chevaux rentrent dans ce budget. Coucou, c'est quand les Starcoin double SVP? Bah il y en a en ce moment, jusqu'à demain. Et sinon, les prochains, ce sera après le festival, je pense. Ils en font généralement une fois par mois des Starcoin doublés. Par contre, on est d'accord que les lapins, ils font des bruits trop cringe. Là, je les entends justifier, mais des fois, ils poussent des petits gémissements. C'est un petit peu... Ouais, je sais pas, cringe. Ouais, je plante un peu de garance et teinturier parce que j'en ai jamais beaucoup en stock. Et c'est vrai que pour certains crafts, c'est quand même utile. Le pur sang arabe du festival, il est trop cute. Ah, les deux même, les deux, je les trouve adorables. Ce serait cool que Star Stable mette maintenant des couvertures et des colliers de chasse. Bah, je pense que quand ils auront réussi à refaire le système d'inventaire et surtout aussi la rétrocompatibilité de l'équipement, ouais, on aura plus facilement de nouveaux équipements pour nos chevaux. J'ai 1675 Starcoin et j'ai envie de m'acheter un cheval, mais tout en gardant 1000 ou 900 Starcoin. Tu recommandes quoi comme cheval? Bah pareil, un cheval en promo au festival. Est-ce qu'un cheval alezan foncé a un nom particulier ou c'est juste alezan? On appelle ça alezan brûlé, je crois. Mais peut-être que je raconte des bêtises. Il faut faire quelle quête pour avoir la quête pour débloquer la piste de la baronne? Il faut que tu fasses les quêtes avec le maire de Golden, du village de pêche de Cap West. C'est avec lui que ça débloque la suite. Je pense que je vais attendre d'acheter un pur sang anglais du festival ou un Lucy B car je désire à me les acheter sur mon compte principal. Ok, bah fais ça. Coucou Cléa! Mon chat, quand je te montre en vidéo, il est tout excité. Je crois qu'il t'adore. Oh, c'est trop mignon! Ça va, Cléa. Est-ce que la fille de SSO, Zari Tidrock, est dans le live? Je ne sais pas. Mais peut-être qu'elle va répondre à cet appel. Qu'est-ce que c'est long à chaque fois de replanter les trucs? C'est bien hein, pour farmer la lumière, mais c'est long. Je suis même pas sûre que ça ramène tant de graines que ça, parce que j'en avais 400, 413, 400 et des brouettes. Je pense que ça ramène plus de juste faucher les tas de feuilles. Ça doit être tellement plus rentable. Après, ça ramène un peu ici aussi, mais c'est long. Je suis même pas sûre d'être gagnante en termes de graines. Je crois pas, hein. Parce que j'en avais 413 au début. Et là, une fois que j'aurai tout replanté, on va voir. On va voir, je suis à combien de graines de gagner. On entend les gémissements des lapins MDR. Bah oui, c'est trop gênant! D'ailleurs, tu avais dit que tu allais en cours après le live, non? Alors je te souhaite un bon cours, si c'est le cas, profite, ce n'est pas la portée de tout le monde. Non, c'est pas un cours que j'ai après, je vais juste m'occuper du cheval de quelqu'un. Je vais faire du travail à pied, mais ça fait plaisir aussi. Vaut mieux au festival que je prenne le pur sang arabe alezan ou les autres chevaux? Bah, ça dépend de toi, de tes préférences. Mon cheval est noir et blanc. D'accord. Noir et blanc comment? Avec des taches ou avec des rayures? Avec des petites taches ou des grandes taches?
J'étais sur le serveur MapleStar, mais j'ai changé parce qu'il y avait presque personne dessus. T'es parti sur Nightstar, du coup? Mais ouais, MapleStar, c'est assez désert. Et du coup, j'avais 413 lumières au début, j'en ai 431 maintenant. Bon, c'est clairement pas ce qui est le plus rentable. Du coup, on va shooter quelques tas de feuilles et ramasser quelques lumières comme ça en revenant vers Fort Pinta parce que... Voilà, clairement, c'était pas rentable du tout. Je vais chasser ce petit feu follet. Je t'attends pour la photo à Fort Pinta. On arrive, Léa. Est-ce que je suis la seule qui trouve que les cosmétiques sont trop chers car ils coûtent 9 000, 10 000? Ça prend du temps à avoir ce prix. Bah, je trouve pas que le prix soit particulièrement abusé. Genre, c'est normal qu'ils veulent éviter qu'on achète toutes les tenues trop rapidement. Pour essayer de nous faire bosser un petit peu quand même pour les avoir. Mais par contre, je trouve ça dommage qu'on soit limité à 10 000 shillings, nous, au niveau de notre stockage. Genre, tu peux économiser pour une pièce d'équipement et t'es obligé tout de suite après de racheter un truc. Genre, t'es obligé d'acheter les trucs morceau par morceau, c'est chiant. Tu finis bientôt le live pour savoir si j'ai le temps de vous rejoindre. Ouais, bah justement, là, je me dirige à Fort Pinta pour la photo de fin. Je shoote quelques tas de feuilles au passage pour récupérer quelques graines. En vrai, les graines, c'est vraiment ce qui est le plus rentable pour la lumière. Mais c'est bien pour terminer ce live. Du coup, mon cheval est finalement passé niveau 15. Ça fait plaisir. Comment on monte vite en niveau son cheval? Faut faire les courses, ça ramène pas mal d'XP. Faut faire les activités partagées, ça ramène de l'XP de manière passive. Et faire la lumière aussi, les quêtes du Boisé Creux, c'est pas mal. C'est très rentable. Où est-ce qu'il va se mettre ce feu follet? J'ai l'impression qu'il part archi loin. Ah, il va se mettre dans l'arbre, je pense. Non, même pas. Pourquoi je suis descendue? Je ne sais pas. Je ne sais pas en quel honneur. Mais il n'a pas fini de faire 15 000 tours, ce feu follet. Comment les graines sont rentables pour la lumière? Parce que si tu fais... Oh non, il y avait plein de tas de feuilles, ils ont disparu le temps que je revienne. Bon. En gros, les graines, une fois que tu as amélioré les compétences de jardinage, tu peux transformer 5 graines en 100 lumières. Et 100 lumières, ça équivaut à 100 shillings. Donc c'est vraiment très rentable. On peut juste faire des courses sans avoir de quête. Bah, avant de faire les courses, faut obligatoirement que tu les débloques avec une quête. J'essaye de passer un peu ici, voir s'il n'y a pas quelques tas de feuilles encore. Et sinon, bah, j'arrive du coup pour revenir à Fort Pinta pour la photo. Alguien habla español, plebes. No hablo español. Il y a des codes promo SSO, pas en ce moment. Enfin, si, you are welcome, qui donne une carotte, mais je pense pas que ça t'intéresse. Comment je fais pour rejoindre le serveur pour la photo? Ça dépend si de base t'es sur un serveur français, mais si oui, faut que t'ailles sur le serveur 2. Donc pour ça, faut que tu te connectes sur le site internet de Star Stable Online, que tu ailles sur ton compte. Dans la partie paramètres, tu pourras changer de serveur. Quelle bride me conseilles-tu pour un hardenné? Celle que tu préfères. Coucou Kevin! Ah bah t'arrives juste à la fin! Je parle français, mais je suis sur un serveur anglais, je parle pas anglais. Tu sais si je peux aller sur un serveur français? À part en passant par un VPN et en créant un nouveau compte, malheureusement, il n'y aura pas moyen d'aller sur un serveur français. Elle demande si quelqu'un parle espagnol. Ouais, c'est ce que j'avais compris aussi, mais du coup j'ai répondu que moi je ne parle pas espagnol. Bonjour, je suis la maman de Juliette. Elle vous suit depuis au moins 2 ans. Elle ne fait que me parler de vous. Eh bien, enchantée, la maman de Juliette. Ah, coucou Tangara! Et Tangara et Kevin, ils débarquent tous les deux à la fin. Moi, du coup, on s'attend ici pour la photo de fin de live. Pendant ce temps, je vais déjà équiper le filtre reshade que je veux pour la photo. Genre, lui, il est trop bien.
Je peux choisir n'importe quelle course sans avoir de quête quotidienne dessus pour monter le niveau du cheval. Non, par contre, faut que ce soit une course en mode course quotidienne. Sauf les courses violettes. Les courses violettes, tu peux les faire à l'infini. Et celle qui ramène le plus, c'est celle à 250 XP à Firgrove. Surtout que bah, elle est archi rapide, c'est la plus efficace. Vous me donnez envie de jouer JPP. Bah viens jouer avec nous, Cléa. Tu vas bien? Ouais, ça va, user 7 SGY. Oula, c'est beaucoup trop long. J'arrive, le van prend du temps. Oh non, ça c'est parce que le... le conducteur, il a fait sa pause café, c'est pour ça. Je viens que pour la photo, du coup. Ah bah tu viens pour le meilleur, hein. Tu viens te montrer comme d'habitude avec ta belle tenue multicolore. C'est quoi ton cheval préféré sur Assassin? Alors mon préféré à moi, c'est mon pur sang arabe, enfin mon Pitabian. Non, je crois que c'est un pur sang arabe. De génération 3, que j'ai appelé Moon. Vraiment, c'est mon chouchou. Moi, je m'amuse avec Reshade, les presets pour faire des photos et tout, j'adore. Franchement, ça change la vie pour bah, les ambiances en jeu, quoi, c'est trop bien. Coucou Laura! J'ai pris une photo. Ça marche, Shad. Ah ouais, je vois que ça bug. Ça devrait revenir normalement. Bah quoi, elle est archi instable, je le vois. Hein. Je le vois aussi sur OBS que c'est instable. Il y a des bugs en effet, mais ça va. Bah faudrait juste que mon PC supporte jusqu'à la fin du live, quoi. Genre, je le vois sur OBS que ma cour elle fait ça. Et qu'elle baisse de plus en plus d'ailleurs. Donc, dépêchez-vous de vous mettre en ligne pour qu'on prenne la photo et que je puisse couper le live tant que la connexion elle supporte encore. Je suis sûre, c'est parce que mon colocataire il télécharge des trucs là, il pompe toute la co. Déjà, j'ai enlevé Richard, c'est peut-être ça aussi qui. Fait bugger. Je sais pas. Ah, c'est peut-être Reshade qui. Ah, c'est Reshade qui fait bugger. Hein, je pensais pas que Reshade pomperait à ce point des perfs dans mon PC. Ah, mais parce que d'habitude je joue pas avec ce filtre-là, mais avec un qui est moins chargé. Coller. Vous. Vers. Là. Rambarde en bas. Enfin, vers la rambarde, enfin, vers le truc quoi. Reculez-vous, alignez-vous. Tu es plus avec ton copain. Si, je suis toujours avec mon copain. Il est de quelle robe, Moon? Il est. Comment est-ce que je décris ça? Bah, il est Rubicano aussi. C'est Moondust, mais en génération 3. J'ai voulu acheter un cheval, j'étais déco pour soupçon de tricherie. Mais what? C'est pas pratique ça d'être déconnecté alors que tu veux dépenser ton pognon sur le jeu. Ah ouf, je pensais que t'étais plus avec. Si, je suis toujours avec, c'est juste que bah on le voit pas sur les réseaux parce qu'il a pas envie d'être montré publiquement. Moi, Richard ne fonctionne pas sur mon ordi. Dans les filtres, il écrit erreur de téléchargement et les filtres ne fonctionnent pas. Ah mince. Bon. Est-ce que les gens en bas, ils aimeraient bien se ranger ou pas? Parce que. Enfin. Mettez-vous bien en bas SVP. Tu me vois, j'ai un chapeau violet. Là, avec ton chapeau violet, Layla, c'est ça? Vous êtes beaucoup là, non? Ouais, on est beaucoup aujourd'hui. J'avais pas remarqué que le requin était toujours là maintenant. S'il passe de temps en temps, Bruce. C'est bon, ouais, on va dire que c'est à peu près potable. Bon, les gens en bas, ils sont pas très bien rangés.
Ouais, c'est bon, Nancy, elle s'est rangée aussi. Je pense que je vais pouvoir prendre la photo. Oups, j'avance. Je me cache. Je vous zoome dessus. Et on met bien le jour. Voilà. Et petit coup de reshade. Vite fait, avant que le PC plante, je prends quelques photos. Voilà, on enlève le reshade. Ah, il y a quelqu'un qui s'est mis debout sur son cheval pour qu'on la voit mieux. Ok, bah nickel. Oh bah super, le belge nous sourit. Et du coup, je vais laisser mon compte connecté pour ceux qui voudraient prendre des photos en seul à seul. Jusqu'à ce qu'il se déconnecte automatiquement. Je crois qu'il met genre 15 minutes à se déconnecter ou quelque chose comme ça. Du coup, je me range ici et sur ce, moi je vais y aller. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon live. Moi en tout cas, ça m'a fait très plaisir de vous retrouver en ce lundi de Pâques pour un petit peu jouer avec vous et surtout vous faire une petite farce pour ce 1er avril. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Reposez-vous encore bien avant la reprise de demain. Et bonnes vacances à la zone C, je crois qu'il est en vacances, les Suisses aussi qui sont en vacances, donc bonnes vacances à vous. Sur ce, je vous fais des gros bisous et à de prochaines aventures. Mouah.